Lady Diana continue de fasciner. Cinq robes qui ont été créées pour la mère des princes William et Harry ont récemment été vendues aux enchères à Los Angeles, comme le rapporte Le Parisien. Parmi ces robes, une pièce signée Zandra Rhodes a été vendue 100 000 $. Trois autres robes ont été réalisées par Catherine Walker, la dernière a été imaginée par Caroline Charles. Ces pièces se sont vendues en 60 000 et 125 000 $ chacune. Peu de temps avant son décès en 1997, Lady Diana avait déjà décidé de se séparer de ses robes afin de récolter des fonds pour la lutte contre les mines antipersonnelles. Tout comme sa mère, le prince William est très engagé dans une cause qui lui tient à cœur. Le mari de Kate Middleton milite en effet pour la protection de la faune africaine grâce à sa fondation, United for Wildlife. Le père du prince George rencontrera d'ailleurs à ce sujet Barack Obama le 8 décembre, lors de son voyage aux États-Unis. William est aussi passionné pour la lutte contre le braconnage d'éléphants et de rhinocéros que sa mère l'était pour la lutte contre les mines antipersonnelles, a récemment confié un proche du prince William. En octobre dernier, William et son frère, le prince Harry, ont d'ailleurs tenu à rendre hommage à Lady Diana à l'occasion de la sortie d'un livre publié par une association. À propos de l'auteur de Coralie Vincent, journaliste Coralie Vincent et journaliste sur le site Closer. FR depuis septembre 2012. Discrète et passionnée, Coralie Vincent est passionnée par l'actualité des médias et des séries télé. Ses derniers articles et Danse avec les stars 1, et bien danser maintenant. Danse avec les stars 1, André Manoukian est le premier à quitter l'Aventure Danse avec les stars 1, Rossi de Palma est éliminé, Jean-Marie Bigard déçoit.